Le riz est cultivé en Camargue depuis très longtemps. On trouve des traces sous Henri IV. Et, mais véritablement, la culture du riz a démarré après-guerre dans les années 50. Donc le riz de Camargue est un produit qui est produit sous IGP. Donc ça veut dire que quand vous avez un paquet sur lequel est marqué riz de Camargue, le riz est tracé depuis le champ jusqu'à votre assiette. Tout ça, c'est très important et c'est ce qui fait la qualité d'un riz. Outre le basique riz saucisse, on pourrait imaginer très bien un risotto. Un risotto à la saucisse de Morteau. Enfin, moi, j'imagine bien ce type de produit, donc avec ce riz, qui est donc un riz à risotto, qui est un gros grain rond, qui va absorber les bouillons et qui va absorber aussi le goût que va donner la saucisse. Et le mariage, à mon avis, va être très harmonieux. Merci la région PACA pour votre riz de Camargue. Nous allons le préparer aujourd'hui comme suggéré en risotto, en ajoutant des dés de saucisse de Morteau, bien entendu. Pour la préparation de cette recette, faites revenir le riz dans un premier temps pendant 10 à 12 minutes. Après cuisson et une fois refroidi, nous allons couper la saucisse de Morteau en petits cubes. Émincez l'ail et l'oignon et faites-les revenir tous deux à la poêle avec une noisette de beurre. Une fois bien doré, rajoutez des cubes de saucisse de Morteau et laissez revenir le tout ensemble. Une fois la cuisson du riz terminée, rajoutez-le à la poêle et faites-le revenir avec la crème fraîche en saupoudrant de parmesan. Et voilà, bon appétit !